Allez Lolo, à piquer, hein. Et là-bas, au milieu, c'est le Mont Blanc. Moi, une fois, à 4 mètres, quand j'avais encore la Sherco, la toute première, j'avais une papelle ici. On était envoyé une aussi. Ça là? Ici, là, comme ça, là. Ah, ça c'est jouable. Elle a volé de l'autre côté, la bécane, elle a volé. C'est jouable.
Derrière, il y a les Alpes. Ouais. C'est bon, hein, par là. Oh. Stoker en action. Go! Dans les ronces, dans les ronces. Trois à gauche. Tu as un coup de main, tu le dis, hein. Thank you.
Ouais, dans les quatre. Ah ouais. Il y a bah, Alex, Mathieu, Kroum Kroum et le jeune là-bas en 125 là de Schmitt, Jérôme. Ah, ah oui, Jérôme, il s'est mis en France. En 125. Alors Christophe Bruand pour Trial Vidéo. Alors tu peux nous faire un petit bilan sur la saison 2009. Alors bon, déjà je pars avec des différents objectifs que l'année précédente, puisque cette année moi je développe à 100% ma structure de démonstration Style & Show. Donc voilà, je me lance à fond là-dedans, je démarche beaucoup et puis donc ça prend énormément de temps. Donc bah, j'ai du coup fait une croix sur le championnat cette année, assez difficile comme décision à prendre, mais bon après les choses de vie font qu'on est un peu obligé. Donc voilà, je fais une croix sur les entraînements, je fais une croix sur le championnat, donc un peu dur quand on est depuis tout petit là-dedans quoi. Mais, okay. Mais voilà, je me lance à fond dans les shows. Et puis... Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est surtout au niveau pécuniaire, quoi, ça ne suit pas, c'est-à-dire qu'en voilà. Fin de compte, le show rapporterait plus que la compétition elle-même, quoi, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Ce qui est un peu dommage, c'est vrai, ouais. Parce que moi je faisais quand même des bons résultats, j'ai fini avec un titre de champion de France, et puis voilà, mais c'est vrai que bon, après il faut faire un choix suivant ce qu'on veut faire plus tard. Et, ok, j'ai vu que tu as terminé premier aux 4 jours de la Creuse, là aussi. Où t'as, l'Aveyron, cette année, c'était l'Aveyron, ouais. Voilà, j'ai fait cette année, ouais, j'ai fait deux courses, le chemin de France à Boite, j'ai fait ok, ouais, je t'avais suivi à Bode. Voilà, j'avais fait quelques films, quelques vidéos. Ouais. Je sais pas si tu regardes parfois, tu les regardes. Il faudrait que j'aille voir maintenant que j'ai. Ok, ouais. Bah, comme ça, à la limite, entre experts, vous verrez les passages des autres pilotes, ouais, puisque j'ai vu que tu roulais un peu à l'écart. Hein. Tu es parti un peu en tête à Bode et puis tu as été un peu isolé des autres, alors que moi ce que j'aurais aimé c'est vous filmer un peu tous ensemble. Ouais, j'imagine, c'est un peu dommage quoi. Vu que j'avais pas fait les premières épreuves, je partais en première position. Je partais pas avec mes adversaires qui eux partaient dernier. J'avais remarqué du coup, ça. Je me suis dit que je faisais ma course tout seul devant et puis ça s'est plutôt bien passé parce que je fais un beau premier tour. Un peu moins bien au deuxième tour, un peu moins de physique. Ouais, j'ai remarqué, bon, il faut dire que c'était très très grave. C'était très grave, et puis c'est vrai que physiquement, bah, quand on fait des choses, on se prépare pas forcément à fond comme si on faisait une saison sportive à haut niveau. Donc le travail en amont est différent et ouais. C'est vrai que je me suis fait quand même très plaisir et puis j'étais content d'accrocher un peu Loris au premier tour qui lui fait une très bonne saison, donc j'étais content de l'accrocher et puis j'étais content aussi de l'Aveyron où j'ai pu remporter les 4 jours de l'Aveyron devant Loris. Je dirais la question subsidiaire, celle que je vais poser à Loris aussi tout à l'heure, c'est quand on est dans les 10 meilleurs mondiaux et qu'on voit des gens comme Bou, comme Raga, qui ont l'air un peu de venir d'une autre planète. Ouais. Qu'est-ce qui fait, comment est-ce qu'on gère son entraînement pour essayer de grappiller quelques places au 5e, au 6e, qui sont des vieux, de longue date, des Frexa, des Lampkin, qui sont en fin de carrière, et qui malgré tout terminent encore 6e, 5e, et qui sont très durs à aller chercher, alors qu'ils sont... Alors comment est-ce que toi-même, quand tu faisais encore le mondial, puisque t'as arrêté, comment est-ce que tu t'essayais de gérer ça pour gagner ces quelques points ? C'est sûr que c'est vraiment pas évident, parce que bon, les pilotes s'entraînent régulièrement, ils sont au quotidien avec les suiveurs, et c'est vrai que moi, pour ma part, c'était pas mon cas à l'époque. Donc moi, c'est un peu ce qui m'a manqué, d'être vraiment encadré avec quelqu'un au quotidien. Tu penses que c'est carrément, donc c'est un encadrement, c'est-à-dire en Espagne, les pilotes seraient mieux encadrés. Ouais, ouais, il n'y a pas que ça, après, ouais. Dans la mentalité, eux, ils prennent leur discipline comme un travail, et je pense que nous, en France, on prend ça comme un travail.
travail, mais peut-être un peu plus choisir. Okay. Et je pense qu'on s'investit différemment. C'est possible, c'est pas... différemment dans la discipline et je pense que ça déjà, ça fait entre autres la différence. Ils ont une volonté de travail qui est énorme et puis c'est vrai que c'est au quotidien, c'est répétitif et puis pour eux c'est normal. Quoi. Donc en plus de ça, ils ont l'occasion d'être toujours ensemble, donc c'est vrai qu'ils peuvent s'entraîner entre eux, ils sont tout de suite entre meilleurs mondiaux. Et puis bon, ils sont proches des usines aussi, donc c'est vrai que ça, c'est un peu plein de petites choses qui font que ça aide. Et donc c'est vrai que, comme je disais à Loris, d'essayer d'aller au maximum à l'étranger, que ce soit en Angleterre, même si c'est vrai que c'est pas forcément plaisant. Là, en Angleterre, justement, c'est grave, à mon avis, c'est les meilleurs trucs à faire. Parce qu'en fin de compte, c'est facile d'être bon sur du sec, j'ai l'impression, dans le trial. La différence se fait au niveau du feeling, de l'adhérence dans les grottes. Aller rouler en Espagne aussi avec Loris le fait, d'aller rouler avec Adam, aller rouler avec les meilleurs mondiaux. Okay. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de différence de niveau réel, mais c'est vrai que c'est aussi plus du travail. Et bon, après, des mecs comme Frison, ils ont une régularité maintenant parce que ça fait des années qu'ils sont sur les mondiaux, donc ils savent ce qu'il faut faire, ils connaissent le truc. Et c'est vrai que Loris se lance dans le senior, mais vu les résultats qu'il a fait cette année, je pense que l'année prochaine, ça sera encore. Ok, bah, je lui poserai à peu près les mêmes questions. Ouais. Donc vous aurez l'occasion de voir un peu vos réponses. Y a pas de problème. Écoute, je te remercie d'avoir consacré quelques minutes et puis je te souhaite une bonne course demain. Avec plaisir, voilà. Merci. Allez, salut.